Sur la situation épidémiologique par rapport à la riposte face à l'épidémie de la maladie à virus Ebola aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, nous avons commencé cette riposte active depuis le 6 février 2021. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous avons enregistré 12 cas. Les spécialistes, lorsqu'ils parlent de cas, ils disent aussi 11 cas confirmés et un cas probable. Donc, parmi les 12 cas qui ont été notifiés jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, nous avons déploré 6 décès sur les 12 cas, ce qui fait une létalité de 50%, elle est importante. Hein. Plus, en tout cas, 50%, c'est pas rien. La moitié de malades enregistrés. Et nous avons malheureusement enregistré également 2 personnels de santé infectés. Jusque hier, jusque ce matin, en tout cas, nous allons dire que tous les malades enregistrés depuis les débuts sont guéris, même si les derniers restent encore en salle, au centre de traitement, ils doivent être déchargés. Mais la bonne information, c'est que tous les malades qui restaient au niveau du centre de traitement sont guéris. Et d'ici quelques heures, nous pourrons vous associer à la cérémonie de leur sortie officielle de centre de traitement. Donc, du coup, nous pouvons considérer que nous avons enregistré 6 guéris parmi les 12 malades que nous avions enregistrés. Ça fait déjà une autre information importante, 3 semaines que nous n'avons pas notifié des nouveaux cas. Donc 3 semaines, c'est pas rien. Et du coup, pour nous, nous commençons déjà à compter les nombres de jours qui nous restent pour que tant soit peu, nous puissions déclarer la fin de l'épidémie à laquelle nous sommes en train de répondre depuis le 6 février 2021. Et c'est une période de 42 jours. Nous commençons le compte. Donc d'ici 42 jours, si nous n'avons pas enregistré de cas, l'autorité compétente pourra intervenir pour déclarer la fin de l'épidémie à laquelle nous sommes en train de répondre jusqu'à aujourd'hui. C'est également un grand succès que tous nous devons saluer parce que nous tous, on est des acteurs, nous avons contribué de manière active. C'est important également de rappeler à ce stade que nous avons encore quelques contacts, des cas qui sont en train d'être suivis. C'est vrai, nous avons des périodes que nous observons pour suivre déjà des contacts enregistrés. Nous pourrons également, selon les cas, décharger certains. Mais au cours de cette riposte, il faut également noter que nous avons eu des difficultés à suivre, je n'ai pas les chiffres précis avec moi, mais une dizaine de contacts. Facilement, 50 contacts n'ont pas été vus alors qu'ils étaient enregistrés parce que étant en contact permettait cette redondance avec les malades confirmés. Donc ça, c'est également important parce que même si nous n'avons pas de cas, même si on n'a pas enregistré au cours des 21 derniers jours de cas, on ne va pas se réjouir pour autant parce que les contacts, surtout ceux-là qui n'ont pas été vus, nous pensons que
Nous devons continuer. Et cela, c'est un appel que nous lançons toujours à tous les collègues des zones de santé, tous les collègues avec qui nous travaillons dans la surveillance à base communautaire, partout en province, pourquoi pas en dehors de la province, parce que les populations circulent. Elle est aujourd'hui à Butembo, demain, la même personne peut se retrouver dans une autre province ou dans une autre ville, pourquoi pas. Donc, cette surveillance, elle continue comme par les passés. Nous avons distribué les éléments des définitions des cas, les éléments à partir desquels nous pouvons être alertés, et toutes les formations sanitaires de la base au sommet sont toujours à l'alerte pour pouvoir accueillir l'information en rapport avec l'une ou l'autre personne qui présenterait les signes compatibles avec les éléments de définition de la maladie à virus Ebola. Parce que la surveillance, elle continue et elle continuera toujours. Ce n'est pas à Butembo que nous devons le rappeler, même au Nord Kivu. Nous venions à peine de déclarer la fin de la 10e épidémie. C'était le 25 juin de l'année 2020. Quelques mois après, moins d'une année, nous avons encore une fois enregistré un cas, le premier cas à partir duquel nous avons justement déclaré cette résurgence de la maladie. Donc nous tous on est appelés à nous souder les coudes pour surveiller, même si on n'a pas de cas aujourd'hui. En tout cas, on peut en avoir, on ne sait jamais. Les pays de l'Ouest africain, si ma mémoire est bonne, c'est la Guinée, vous avez tous suivi. 5 ans plus tard, après la déclaration de la fin de l'épidémie, il y a également un cas, il y a des cas qui ont été notifiés. Et lorsqu'on procède au séquençage du virus, on constate que c'est le même virus qu'on avait connu au cours de l'épidémie précédente, évidemment qui a été isolée au niveau des malades qui ont été déclarés. Donc, nous avons Ebola et nous avons l'obligation à pouvoir, lorsqu'on est en train de mener la surveillance à tous les niveaux, de la communauté aux professionnels, en tout cas renseigner davantage sur les signes et pourquoi pas informer les formations sanitaires les plus proches lorsqu'on a un cas, lorsqu'on a un malade, on a une personne qui présente des signes. Nous avons vacciné au cours de cette riposte, environ 1800 personnes ont été vaccinées. C'est vrai, parmi les 1800, des milliers de contacts qui n'étaient pas encore vaccinés, mais nous avons encore du vaccin. Nous avons encore du vaccin. Nous sommes en train de réfléchir comment le rendre disponible à toutes les personnes désireuses de cette vaccination. Parce que c'est important et nous devons le signaler. C'est une hypothèse justement qui doit être démontrée. Aujourd'hui, nous nous réjouissons déjà de ne pas avoir beaucoup trop de cas comme c'était à la 10e épidémie. C'est notamment parce que nous avions beaucoup vacciné au cours de la 10e épidémie. C'est fort probable que nous avons développé une immunité, laquelle immunité nous a permis à pouvoir tant soit peu nous protéger contre évidemment les quelques cas que nous avons notifiés depuis le 6 février de cette année, comme je disais. Donc voici peut-être l'essentiel, et comme je disais au début, nous avons beaucoup d'experts avec moi ici. Bon, il pourrait y avoir d'autres éléments importants que j'ai oubliés pour introduire les échanges avec vous par rapport à la riposte telle que nous la menons face à la 12e épidémie de la maladie à virus Ebola.
Merci beaucoup. Je crois que on va d'abord. Nous disions 12 cas, 6 guéris, 6 décès. Donc la létalité, elle est évaluée à 50%. Donc 6 décès, malheureusement, c'est énorme. C'est énorme, mais lorsque vous rentrez dans la littérature, en tout cas, nous sommes en train d'avancer. Avant, avec Ebola, facilement, en tout cas, on peut passer les 50%. Je n'ai pas les chiffres avec moi. 60%. Ouais, ouais, avant. Ouais. Et lorsque nous rentrons justement dans ce chiffre, il y a même les décès communautaires. Ceux-là qui n'ont jamais consulté un personnel de santé. C'est pas Jérémy, si vous avez les chiffres, on pourrait également les partager avec nous. C'est important de le rappeler aujourd'hui à nos communautés parce que Ebola d'hier n'est plus l'Ebola d'aujourd'hui. Ebola d'hier, c'était la catastrophe parce qu'on n'avait pas tout ce qu'il faut pour prendre en charge, pour soigner les malades. Mais aujourd'hui, en tout cas, nous avons plusieurs alternatives pour soigner. Non seulement nous avons des molécules, des médicaments pour soigner, nous avons également la vaccination, nous avons également deux vaccins. Et c'est ce qui explique d'ailleurs, qui justifie cette baisse de la létalité et des malades qui souffrent d'Ebola. Et c'est là qu'il n'y a vraiment pas de raison pour toute personne suspecte, parce que je sais qu'elles existent également au niveau de la communauté. Elle sait qu'elle était en contact avec un malade, elle présenterait les signes, elle aurait peut-être les réflexes de se cacher, probablement parce qu'elle n'est pas sûre de guérir si elle s'est présentée au niveau d'une formation sanitaire. Mais hier, peut-être, mais aujourd'hui, en tout cas, Ebola est guéri. C'est parmi les maladies qui guérissent si une personne vient à temps au niveau de la formation sanitaire. Et les six, en tout cas, tous les six étaient pas au niveau des formations sanitaires. Je ne sais pas, vous avez les chiffres, Jérémy? Combien de décès en dehors de centres de traitement parmi les six là? D'abord les probables. Et... Okay. En tout cas, au moins deux parmi les six, même les quatre autres qui étaient dans les formations sanitaires, il y a ceux-là qui n'ont même pas fait 72 heures. Donc, la personne est arrivée et n'a même pas donné le temps aux cliniciens de pouvoir très bien les prendre en charge. Et dans les 72 heures, malheureusement, elle est décédée. Donc, vraiment beaucoup trop de succès enregistrés face à Ebola. Et il n'y a pas de raison de se cacher, il n'y a pas de raison d'hésiter à consulter, à fréquenter les formations sanitaires parce que nous avons déjà le médicament. Et lorsque vous arrivez à temps, facilement vous épargnez toutes les personnes qui pouvaient être en contact avec vous, qui seraient également contaminées et qui présenteraient également la maladie. Les contacts n'est jamais vu. Évidemment, si nous rentrons dans nos bases de données, c'est des contacts essentiellement en rapport avec un cas que nous avons, je dirais, connu avec un grand retard. Ça, on ne doit pas se le cacher. Les cas probables. Je disais, parmi les 12, nous avons un cas probable, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est vrai, c'était également un décès. Et lorsque nous avons fait une investigation approfondie, en tout cas, les éléments en rapport avec ces décès ont plus penché sur la maladie à virus Ebola. On n'a pas de confirmation comme quoi c'était Ebola. OK? Et les protocoles, comme on le sait, lorsqu'on a un cas Ebola confirmé ou probable, nous avons l'obligation à lister tous les contacts
Malheureusement, ce cas probable était connu plusieurs jours après et il fallait tout de même remonter pour identifier les contacts et l'exercice n'était pas facile. Hein. L'exercice n'était pas facile. C'est ce qui explique les nombres importants des contacts jamais vus. Heureusement, la surveillance continue. Ah oui, la surveillance continue. C'est vrai, c'est une inquiétude, on ne doit pas se les cacher. C'est une inquiétude, mais on n'a pas le choix. Nous devons continuer à surveiller de manière approchée, évidemment, toutes les personnes à tous les niveaux, comme nous disions, hein, même à base communautaire, quelqu'un qui présente des signes compatibles avec la maladie à virus Ebola. En tout cas, c'est important de le signaler pour que les actions de santé publique soient menées, notamment tout ce qui est prélèvement, les analyses des laboratoires, de manière à ce que l'on puisse se rassurer si c'est un cas ou un non-cas. Il faut également noter que cette réponse que nous sommes en train de mener aujourd'hui n'a pas bénéficié de toutes les ressources, comme c'était le cas au cours de la 10e épidémie. En tout cas, on a travaillé avec les moyens de bord et c'est ici l'occasion de remercier l'autorité provinciale pour, en tout cas, tous les conseils, pour toutes les ressources qu'il a mises à notre disposition et d'ailleurs tous les partenaires également pour que nous puissions faire l'essentiel. Parce que Madame faisait une comparaison avec les activités telles qu'elles étaient menées au cours de la 10e épidémie. C'est parce qu'on avait justement beaucoup trop de ressources. Mais aujourd'hui, en tout cas, il faut qu'on vous le dise tout de suite. Vous le savez d'ailleurs que les ressources, en tout cas, elles n'étaient pas au rendez-vous. Là, je parle de ressources logistiques et des ressources financières. Mais heureusement, au niveau de la division provinciale, de nos zones de santé, de nos formations sanitaires, en tout cas, nous disposons déjà des compétences techniques. Nous avons quelques outils, évidemment, qui nous ont permis à mener les activités depuis que nous avons commencé, évidemment, cette épidémie. Donc, cette riposte, excusez-moi, contre cette épidémie. Donc, c'est ça un peu ça. C'est vraiment des préoccupations, mais on est en train de suivre de manière approchée parce que les listes de tous ces contacts, nous les avons et nous les partageons d'ailleurs avec toutes nos zones de santé. On ne sait jamais, on pourrait tant soit peu. Et ces chiffres-là, si vous rentrez même dans ces données, en tout cas, il allait en diminuant. Je sais qu'au début, les jamais vus, en tout cas, c'était des milliers, quoi. Mais lorsque on avançait avec les activités, en tout cas, jusque avant-hier. Aujourd'hui, nous n'avons que 15. Hein. 15 jamais vus. C'est vrai, les autres étant déjà peut-être déchargés. Mais, en tout cas, le nombre allait en diminuant parce que les équipes de terrain s'activaient pour le rechercher. Je crois que c'est ce que les collègues disaient. Donc, c'est ça la question des contacts. Et nous avons tous l'obligation à pouvoir suivre. Bien, je ne sais pas s'il y a un ajout. L'ajout, justement, c'est par rapport à tous les guéris. Ah oui, parce que nous sommes dans la communauté, on en parle. Quelqu'un est guéri de la maladie à virus Ebola. Oui, c'est une maladie, comme on disait, qui est guérissable. C'est comme un malade qui souffrait du paludisme, qui souffrait de la diarrhée, qui souffrait du choléra, qui est également guéri. Donc les mêmes malades, bon, demain il peut encore faire les paludismes. Les paludismes se contaminent également. Ok? Donc il n'y a vraiment pas de raison de considérer au niveau de notre communauté Ebola comme une catastrophe. Non, il n'y a pas de raison. C'est vrai, je guéris, ok. On suit les malades qui guérissent d'autres maladies. Tant mieux également, les malades
guéri d'Ebola, ils sont également suivis parce qu'ils peuvent refaire la maladie. Et il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Parce que par moment, il y a des questions qui sont posées et c'est légitime de pouvoir les poser. Et nous devons rassurer, en tout cas nos communautés, que les malades, ils sont guéris et ils sont suivis. Tous les malades, sans exception. Malheureusement, ils peuvent encore refaire la maladie, ça peut arriver, quoi. Et ce n'est pas une raison de paniquer, surtout si nous observons toutes les mesures préventives qui ont été enseignées, qui ont été communiquées, et que nous sommes en train d'observer, que nous sommes en train d'appliquer. Pour moi, l'enjeu, c'est ça. Nous devons nous protéger contre les maladies infectieuses. Moi, au niveau de la communauté, qu'est-ce que je dois faire? Le premier réflexe, ce n'est pas avoir peur de la maladie. Peut-être avoir peur, et tout de suite, je mets en place un dispositif, j'observe toutes les mesures de prévention qui ont été communiquées, qui ont été enseignées, parce qu'elles sont efficaces. Elles ont déjà démontré leurs preuves. Pour moi, c'est ce que nous devons faire, mais pas commencer peut-être à nous inquiéter pour rien. Et je vais insister sur une mesure importante, c'est lorsque nous sommes malheureusement avec le décès, les dépouilles, les corps sans vie, c'est déconseillé. Et c'est vraiment un message important que nous devons passer, de les toucher, de les manipuler. C'est pas seulement Ebola, ce n'est pas tout le monde qui va se faire tester pour qu'on connaisse s'il souffre d'Ebola. Ça peut être la COVID-19, ça peut être une maladie autre, une maladie contagieuse. En tout cas, ce n'est pas conseillé de manipuler, de toucher les dépouilles. Et c'est important d'ailleurs que nous puissions déjà intégrer dans tous les soins que nous réservons aux dépouilles, ok, le fait de disposer déjà d'un sac mortuaire. En tout cas, ces sacs-là ne coûtent pas trop cher. Nous pourrons même les rendre disponibles, justement, en fonction des stocks dont nous disposons. Okay? Donc ça, c'est déjà intégré. Lorsqu'il y a un décès, il ne faut pas les manipuler. J'appelle directement les professionnels de santé ou les personnes qui sont formées. Parce que nous avons formé, même dans plusieurs avenues, dans plusieurs villages, des membres de la communauté qui savent de quelle manière ils peuvent sécuriser les dépouilles. Ah oui, parce que les dépouilles, surtout par rapport à Ebola, elles sont trop contaminantes. Et c'est bon, si nous développons des réflexes comme cela, en tout cas nous allons devoir de manière durable nous protéger contre Ebola. Là, je n'ai insisté que sur une mesure, mais elles sont nombreuses que vous connaissez et c'est important de pouvoir les relayer. Bien, merci. On va passer à la deuxième plage, c'est au sujet de répondre face à Ebola. Je le disais, la riposte que nous faisons, c'est vraiment une riposte intégrée qui prend en compte également d'autres maladies sous surveillance, parmi lesquelles la COVID-19. Malheureusement, la COVID-19, en tout cas au niveau de notre province, au niveau de nos villes, lorsque nous sommes en train d'enregistrer le cas, jusqu'à la date d'hier, nous avons déjà notifié environ 20 000 cas. 2026, excusez-moi. Hein? Ce qui fait de nous une deuxième province au pays, après Kinshasa, avoir notifié plus de cas. Malheureusement, nous avons déjà déploré au niveau de notre province 227 décès. Ce qui fait de la province du Nord-Kivu
une province qui a déjà notifié, la première d'ailleurs, qui a déjà notifié plus de décès, notamment parce que notre létalité est à plus de 10%. On peut discuter, mais c'est des décès, beaucoup de décès. Certes, nous avons déjà enregistré plusieurs guéris, environ 1500. Donc, pour nous, le taux de guérison est à environ 78%. Contrairement à la COVID, à Ebola, parce qu'Ebola, peut-être on ne l'a pas dit, c'est quelques zones de santé, 4, qui ont notifié le cas. Mais si nous prenons la COVID-19, c'est 26 zones de santé qui ont déjà notifié au moins un cas dans chaque zone de santé. Dans notre ville de Boutembo et environ, quasi toutes les zones de santé ont déjà notifié au moins un cas. Donc pour dire que ces virus, ils circulent. Les données d'hier d'ailleurs de notre laboratoire ici, si nous prenons les labos des Boutembo à lui seul, lorsque nous exploitons les données, nous avons enregistré 26 cas confirmés la COVID-19. C'est également une maladie qui tue et pour laquelle nous devons également mettre en place, pour laquelle nous devons également mettre des dispositifs pour nous protéger. Voici de manière un peu plus brève, peut-être si nous prenons toutes les données avec celles de la province, en tout cas jusqu'à hier, nous avions 54 nouveaux cas répartis dans plusieurs zones de santé. Et c'est une riposte intégrée, c'est important. L'avantage, c'est que c'est presque les mêmes mesures qui doivent être observées. À la seule différence, c'est que par rapport à la COVID-19, nous insistons sur les ports corrects de masques et toute la distanciation physique, notamment lorsque on est en train de parler.